C'est coloré, c'est gai, il y a du rêve, il y a de l'émotion, il y a de l'espérance. C'est vraiment un grand, grand plaisir. Cet univers d'Alain Thomas qui est un univers toujours magique avec tous ces petits personnages. Par rapport au précédent spectacle, j'ai trouvé que c'était très, très riche au niveau des animaux. De l'humour, moi j'ai beaucoup aimé les deux petits toucans, celui qui a la petite casquette sur la tête. C'est beaucoup de poésie, beaucoup, beaucoup de poésie. Je suis devenue comme un enfant, par exemple, le sapin de Noël qui danse. C'était quand même magique. On est partenaire depuis maintenant, c'est la troisième édition qu'on fait, et à chaque fois c'est un vrai émerveillement. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de joie. J'ai retrouvé la magie de Noël, l'émotion avec la musique, le côté mystérieux. Ces moments d'endormissement quand on est enfant et puis qu'on a toutes les formes qui se mélangent, que le réel et l'imaginaire se mélangent. Pour moi c'est un grand moment d'émerveillement et un spectacle d'une très très grande qualité. Voir la cathédrale comme ça de nuit de feu, ça nous fait aimer l'art et ça c'est fort. Mesure bien en quoi c'est une prouesse technique pour s'adapter aussi finement à l'architecture de la cathédrale, puis ça la révèle et ça nous montre la beauté et la richesse de notre patrimoine à Nantes. J'ai beaucoup pensé à ceux et celles qui ont construit cette cathédrale. Sans doute sont-ils étonnés qu'en 2018, nous lui avons donné de la vie, de la joie et de la paix. Profonde gratitude envers tous ceux qui ont pensé ce tableau, ce spectacle, en particulier Monsieur Alain Thomas, et puis Willem et François-Xavier. C'est pour moi beaucoup, beaucoup d'émotions. Toujours. Toujours. Et encore. Et chaque édition, c'est toujours la même magie.